Alors, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier de vous être connectés. J'aimerais également féliciter mon prédécesseur Bilal Khelelat, le docteur Bilal Khelelat, brillant orthodontiste du Liban, qui vient faire une petite incursion française. Nous avons plein d'amis en commun. Je suis ravi de le rencontrer, de faire partie de cette équipe de conférenciers et de présenter un petit peu en avant-première, de donner un avant-goût, parce que c'est là le but, un avant-goût du summit, du Genius Summit qui aura lieu d'ici 3 mois. Tu as dit 2 mois, Bilal, 3 mois, il va falloir présenter encore 3 petits mois malheureusement, mais elle était entre-temps. Bien, alors j'aimerais présenter, après les excellents cas qu'a présenté Dr Khelelat, j'aimerais présenter juste un aspect de la technique Genius, du Genius System, qui est la gestion du torque. En effet, nous travaillons en self-passive ligation, en auto-ligaturant passif, avec une seule prescription, alors que la marque historique travaille avec une prescription et beaucoup de, travaille avec plusieurs prescriptions pour pouvoir présenter beaucoup de possibilités. Qu'en est-il? Est-ce que cela veut dire qu'on va faire un compromis sur la qualité du résultat? Ou est-ce que ça veut dire qu'on va être limité? Je ne pense pas, et j'aimerais vous présenter pendant une dizaine de minutes deux cas qui illustrent la facilité avec laquelle on peut gérer le torque avec le Genius 2 et surtout le type de résultat que l'on peut avoir. Ensuite, je vous présenterai quelques conférenciers du Summit avec des espèces de bandes annonces qui vont nous montrer ce qui sera présenté dans 3 mois. Et à quel point cela va être intéressant. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Aymeric Augereau, je suis un orthodontiste, je suis en profession libérale, j'ai mon cabinet. Je travaille avec le Genius depuis sa sortie, donc cela fait maintenant 6 ans. Je tiens à dire que je pense que dans le monde, des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de cas ont été traités avec le Genius depuis. Le Genius 2 est un petit peu plus récent. Il reprend évidemment les grandes bases du Genius 1 avec quelques prescriptions de torque différentes, quelques précisions différentes qui ont apporté un véritable plus. Voilà. Donc, il s'agit, lorsqu'on parle de gestion de torque, il s'agit aussi toujours du même principe qui est la reproductibilité. C'est-à-dire que d'un cas à un autre, réussir à obtenir un résultat qui soit conforme à nos attentes et qui soit conforme à ce qu'on nous a enseigné en termes d'occlusion et d'alignement, en reprenant souvent d'ailleurs les standards du board. Donc ça, c'était des cas traités en Genius. Et que ce soit sans extraction, comme vous avez pu le voir précédemment, comme aussi avec des extractions, comme vous le voyez sur ces images. Et donc là, on réalise bien ici un petit avant-goût de ce que je vais vous présenter, c'est que dans ces cas avec extraction, tout d'abord en vue frontale, il est très difficile de dire s'ils ont été traités avec des extractions. Les arcades ne sont pas étroites et la gestion de torque est parfaitement maîtrisée. Je n'y suis pour rien, j'ai juste appliqué les protocoles. Il est très important de comprendre que la gestion du torque, elle est à la fois dans les mains de l'orthodontiste, mais également dans les mains du produit, si je puis dire, du système. Parce que la prescription est une prescription dite idéale. La dimension de la lumière du bracket, sa précision de fabrication et la profondeur du bracket font que le torque s'exprime de façon extrêmement précise. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles il n'y a qu'une seule prescription. Il n'y a pas besoin de compenser avec des high torque ou des low torque, les cas que nous avons traités. Et puis, il y a toujours des possibilités aussi de tourner les braquettes à l'envers. Alors, tout ceci fait l'objet de multiples conférences. On n'a pas le temps de passer tout en revue aujourd'hui. Mais on va passer en revue le choix du fil qui est aussi déterminant pour obtenir le torque adéquat. On va parler d'un torque extrêmement commun à gérer, qui est le torque des racines
du bloc incisif maxillaire. Souvent, on a besoin de contrôler ce torque, et par exemple, dans des cas de classe 2, division 2. Alors, j'aimerais illustrer mon propos, évidemment, et je vous parlerai également du contrôle du torque pour les incisives mandibulaires. Je vous rappelle, toujours une seule prescription. Alors, j'ai parlé de la précision du bracket, j'aimerais également parler du fil. Et c'est vrai qu'on sait tous que une torsion dans le fil permet d'appliquer un certain type de torque au niveau des braquettes et donc des dents. Mais nous avons la chance d'avoir à disposition des fils pré-torqués pour le secteur des incisives. On voit bien ici la torsion du fil à droite et à gauche. C'est un fil, il existe en 17-25, il existe également en 19-25. Il développe donc des forces de torque. Il applique un torque qui va être très progressif. Donc, il n'y aura pas, par exemple, de casse de braquette ou de résorption radiculaire à la suite de l'application de ce torque. Et le fil rentrera de façon assez subtile, on va dire, dans le braquette, sans forcer. Le torque, on ne le choisit pas. Il est déjà pré-informé, si je puis m'expliquer, sur le fil. Il est à plus 20 degrés pour les incisives supérieures. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus 20 degrés de torque si on le place. Ça veut dire simplement que si on le laisse, parce qu'il y a un jeu entre le fil 19-25 et la lumière du bracket, mais au fur et à mesure qu'on le laisse, il y a de plus en plus de torque qui s'établit. D'accord ? Il peut être utilisé à l'envers, c'est-à-dire permettre d'avoir un torque radiculo-palatin. Et prenons l'exemple de cette patiente qui présente donc une classe 2, comme vous allez le voir sur les futures images, et qui présente aussi donc les incisives maxillaires qui sont égraissées et en rétroévolie. Donc, on appelle ça le manque de torque. D'accord ? Donc, il va falloir corriger sa classe 2 avec des élastiques et également augmenter le torque sur ses incisives. Voici donc, je vous présente Sharon, qui a 13 ans, qui, vous voyez, présente, on va dire, une pseudo-classe 1 du côté gauche, mais du côté droit, elle présente une jolie petite classe 2 d'environ 5-6 mm, avec donc, qui explique la déviation des milieux interincisifs, avec une rétro-alvéolie des incisives centrales, voire même de 11, 12 et 22, et également une égression qui aboutit à une supraclusion excessive. Je passe en revue les différentes séquences de fils que l'on peut utiliser, parce que ce n'est pas le but de la présentation. Évidemment, tout cela est détaillé, on fait des journées de conférences ou des soirées de conférences, et tout cela est extrêmement détaillé. Et pendant les 6 à 8 premiers mois, on utilise en fait des fils qui vont présenter très peu d'action sur le torque, parce que ce sont des fils ronds ou des fils carrés. Mais on peut déjà commencer à travailler sur la classe 2 avec des élastiques courts, et des cales. Ce qui fait que quelques mois après, on a pu donc commencer à travailler le torque en insérant un 19-25 pré-torqué et dans le cas présent avec des bikes turbo collés qui peuvent être en métal ou aussi en composite qui peuvent être collés au niveau des faces palatines des incisives centrales maxillaires pour aider à la correction de la supraclusion. Et vous voyez par exemple que du côté gauche, déjà avec les élastiques courts, on est passé d'une situation de classe 2 de 5-6 mm à une situation de classe 2 d'environ 3 mm. Donc, l'établissement du torque avec le fil pré-torqué va permettre dans les phases de finition de pouvoir atteindre une occlusion de classe 1. Car si le torque est déficient au niveau des incisives maxillaires, il n'est pas possible d'atteindre une occlusion de classe 1 au niveau des dents postérieures. Donc là, on se retrouve dans une situation, dans une phase finale de traitement avec des arcs bêta-titanium en 19-25. Ce ne sont pas eux qui ont établi le torque. Ils peuvent en établir, évidemment, mais ils ont permis de le conserver après le 19-25 pré-torqué que j'ai laissé pendant plusieurs mois, avec un contrôle tous les 2 mois du patient, jusqu'à ce que j'ai pu obtenir le torque adéquat que je souhaitais voir. Donc, je vous représente Sharon avant son traitement et la voici pas métamorphosée, n'exagérons rien,
mais quand même bien changé après son traitement, avec une petite déviation des milieux, peut-être liée à une DDD, puisque la 22 présente un diamètre mésiodistal plus faible que la 12, et les contentions qui doivent faire suite comme d'ordinaire. Alors, évidemment, encore une fois, la gestion du torque, elle est primordiale pour obtenir une bonne occlusion de classe 1, pour obtenir aussi une esthétique du sourire, et le fait d'avoir une seule prescription n'est absolument pas un frein, puisque les braquettes sont très efficients dans la délivrance du torque à condition d'y mettre le fil qui convient. Donc là, ici, pas du tout, on n'a pas du tout eu besoin d'une prescription de torque particulière qu'on appelle high torque. Quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, je trouve, c'est le contrôle du torque sur les incisives mandibulaires. Et je vais prendre un cas un petit peu particulier. Alors, si on regarde ce cas, il n'y a pas vraiment grand-chose de spécial. Un chevauchement, des espaces, une supraclusion. Mais on peut voir déjà sur la vue occlusale inférieure que les racines des incisives inférieures sont plutôt dans la partie, on va dire, linguale de la symphyse. Donc, il y a un excès de torque. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les contacts sont probablement très, très forts avec la face palatine des incisives maxillaires, ce qui veut dire que la fermeture des espaces sera compliquée à obtenir à cause de cela. Donc, on peut anticiper déjà les futurs problèmes. Donc, la télégraphie de profil est importante. Évidemment, on la regarde, ça permet de voir un petit peu où sont positionnées les incisives mandibulaires dans leur symphyse. Nous sommes ici à 2 mois de 14-25 Thermal Ultra Genius. 2 mois, ça veut dire qu'on est à environ 6 mois de traitement. 6 mois de traitement, on a corrigé la supra, on a aligné, on a nivelé, on a corrigé la supraclusion grâce au plan de morsure collé au niveau des faces palatines des incisives maxillaires. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste un peu de classe 2 à corriger, qui est laquelle est apparue, il n'y en avait pas initialement, hein, mais laquelle est apparue à la suite de la levée de la supraclusion. Ça a ouvert le compas, on va dire. On en avait besoin de toute façon parce qu'il y avait une supraclusion. On a ouvert le compas, on a entre guillemets créé cette micro classe 2, et puis il reste encore des espaces à fermer. Et on est embêté parce que, comme vous le voyez dans l'image en bas à droite, on voit nettement, sans prendre de téléradiographie de profil, que les incisives mandibulaires sont très proclinées. Elles sont proclinées avec aussi une racine pour chacune d'entre elles, très linguale. Donc, il va falloir commencer à travailler sur le torque de ces incisives mandibulaires. Et pour cela, voici ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce fil pré-torqué. C'est un fil qui fait 28, où la partie torquée mesure 28 mm. Elle est calibrée pour les 4 incisives mandibulaires. Mais alors, s'il vous plaît, attention si vous utilisez ce fil, que vous allez utiliser donc en torque radiculo-vestibulaire. Donc, il y aura nécessairement une petite action qui est recherchée, qui est coronolinguale. Et attention, parce que c'est un fil qui va avoir pour effet de diriger la racine vers le vestibulaire. Donc, il faut toujours prendre une téléradio, avoir une téléradiographie de profil, savoir quelle est l'épaisseur de la symphyse. On ne va pas faire ça, par exemple, sur un cas qui est divergent ou hyperdivergent, où les symphyses sont très fines et où la gencive attachée est fine. Il faut donc avoir une petite évaluation paromontale, une évaluation radiographique et surtout, s'il vous plaît, une surveillance rapprochée, non pas là tous les 2 mois, mais là, je dirais tous les mois. Il faut être très, 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 très vigilant pour ne pas créer de fenestration osseuse. Donc moi, c'est vrai que lorsque je mets ce fil, j'aime bien accompagner ce fil, soit de l'acide de classe 3 si ça s'y prête, soit d'un léger stripping, qui permettra d'avoir un fil qui va agir peut-être un petit peu plus finalement en version coronaire linguale qu'en version vestibulaire des racines. Donc, juste pour vous montrer une photo occlusale, mais après je vous montrerai la téléradiographie de profil. Voilà, avant et après l'utilisation de ce fil, le parodonte a résisté, vous le verrez à la fin. Évidemment, c'était l'objectif, mais ce très léger recul a permis, ce très léger torque a permis de fermer les espaces à l'arcade maxillaire au final, parce qu'il y avait moins de contact avec les dents du haut, de fermer les espaces à l'arcade maxillaire et de retrouver l'occlusion de classe 1 qu'on souhaitait. Donc là, on voit la télé avant-après. Et voici donc le cas terminé en occlusion de classe 1 avec des axes incisifs qui sont plus fonctionnels.
Et voici donc le sourire radiant. J'ai adoré cette expression, Bilal. Je ne sais pas si tu m'écoutes encore, mais j'ai beaucoup aimé cette expression. Voici la panoramique qui ne montre pas grand-chose si ce n'est que les fils collés de contention sont encore présents et qu'il va falloir retirer les dents de sagesse. Alors, pardon, hop, je reviens. Donc, j'aimerais maintenant me mettre un petit peu en arrière et vous faire une petite bande-annonce de ce qui nous attend dans 3 mois, du 30 septembre au 2 octobre, au lac de Côme. Je suis déjà allé au lac de Côme, c'est sublime et la saison est parfaite parce qu'il fait beau et doux à cette période. Et donc, c'est extrêmement propice pour pouvoir enfin se retrouver et discuter autour du système Genius. Alors, je serai votre modérateur ou le modérateur des conférenciers, comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que le programme réunit vraiment de brillants conférenciers et brillants praticiens en Genius et autres, car le programme est extrêmement divers. Et puis aussi, ne l'oublions pas, on nous a trop longtemps privés de moments de partage, de moments de réunion, de joie. Ce sera après l'été, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir échanger lors d'un congrès avec mes pairs sur ce que j'ai vu dans la journée, qu'est-ce que je fais dans mon cabinet. Voilà, donc ça va être une très, très belle et grande occasion. Nous attendons plus de 150 personnes. Donc, le Genius Summit existe depuis de nombreuses années. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des conférences qui ont été filmées et enregistrées. Vous voyez, de 2016, 2017, 2018, 2019, j'ai dû participer à 3 summits sur 4 en tant que conférencier. Et toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir à parler et puis à écouter mes confrères. Le système Genius a apporté quelques innovations. Donc déjà, le système Genius, ce sont des braquettes très spécifiques qui ne ressemblent à aucun autre et ils sont uniques en leur genre avec un système de fil qui est adapté. On a le Genius 2, on a le Genius Crystal. Il y a un gros travail qui a été réalisé sur des nouveaux tubes Genius 2 à partir de fichiers STL pour bien comprendre l'anatomie des dents et avoir une base anatomique parfaite. Donc ça, c'est le cœur, en fait, j'ai envie de dire, du Genius System. Et puis, il y a des produits, on va dire, entre guillemets, dérivés, comme le Genius Arch Distalizer, qui est un concept qui permet de créer de la place en denture mixte ou en fin de denture mixte, surtout pour les canines, afin d'éviter les extractions prémolaires. On a aussi vu le Genius SF, qui est le Genius Sagittal First, qui est un système qui reprend aussi des braquettes Genius pour corriger un décalage de classe 2 ou de classe 3 d'ailleurs en première phase de traitement en 6 mois sans avoir recours à des appareils amovibles et qui présentent vraiment beaucoup d'intérêt. Tout cela fait l'objet de conférences qui vont reprendre, j'en suis certain, juste après l'été, journée entière ou soirée. Indibond est un produit aussi qui est distribué par Autopartner, qui est un produit très intéressant puisque c'est un produit de collage indirect. Je vais vous en parler dans un instant. Et le Genius, c'est aussi une académie avec beaucoup de conférences, beaucoup de replays. Alors, on a fait beaucoup de conférences en Zoom. J'ai dû en faire une dizaine sur les 2 dernières années juste pour le Genius. Et il y a, et vous l'avez vu ce matin, un Digital Lab Orthopartner qui réunit les plus grandes innovations technologiques digitales pour installer un flux numérique dans le cabinet qui permet d'être plus précis et plus fluide dans nos comportements de pratique orthodontique. Le Genius, ce n'est pas que la France. Vous voyez ici, Orthopartner est diffusé en vert en Europe, en rouge en Afrique et en jaune en Moyen-Orient. Beaucoup de pays donc sont concernés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de centaines de milliers de cas traités en Genius. Le Genius est également distribué en Asie et il sera distribué, je l'espère, en 2022 sur le continent américain. Donc, un système en pleine expansion et pleine réussite, les chiffres en sont la preuve. Alors, le programme, très intéressant, commence le 30 septembre par le cours, le,
pré-congrès du docteur Luc Arzel sur la gestion des cas difficiles avec les mini-vides orthodontiques, toujours, toujours d'actualité, suivi d'un cocktail de bienvenue à l'hôtel au lac de Côme. Et le lendemain, le congrès avec des ateliers sur le flux numérique le vendredi matin, suivi du vendredi après-midi et du samedi matin et après-midi de diverses conférences dont nous allons voir le programme sur le slide suivant. Et la soirée de gala, toujours très appréciée dans le monde d'orthopartner, avec beaucoup de prestige et toujours un très très grand souvenir. Toujours un très grand souvenir. Voilà, voici donc le programme. Donc, je ne vais pas reprendre chaque conférencier et lire leur titre, ça serait beaucoup trop long, mais j'aimerais juste vous montrer que le programme est entre guillemets éclectique. Évidemment, il tourne autour de l'orthodontie et des dents. Il y a beaucoup de conférences sur l'orthodontie et le genius, mais on peut voir qu'il y a des conférences sur le bien-être dans le cabinet d'orthodontie, sur les facettes, on va parler dans un instant, sur l'orthodontie du sport, sur le numérique, sur les micro-vis et la digitalisation, sur les asymétries. Bref, un congrès orthodontique, mais pas que. C'est ce qui en fait aussi sa force, c'est que nous sommes des orthodontistes, mais nous ne traitons pas que des bouches. Nous traitons évidemment des patients avec qui nous passons beaucoup de temps. Les traitements peuvent durer 2 ans parfois. Donc, beaucoup de sujets sont vraiment très intéressants à voir. Donc, vous avez eu sans doute la chance d'écouter mon éminent confrère, le docteur Colelat, qui pense, comme moi d'ailleurs, que le Genius, le système Genius, est enfin le système que l'on attendait. Et je pense qu'il doit avoir la même durée que moi de pratique, entre 20 et 30 ans. Et il a dû essayer beaucoup de systèmes, il a dû en voir beaucoup en conférence, en entendre parler. Et il est absolument fan comme moi, et c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce système-là, c'est que l'expression « laisser, c'est l'adopter », c'est tout à fait vrai, dans le sens où difficile, impossible de revenir en arrière, parce que le système vraiment reprend énormément d'avantages par rapport aux autres, hein, je trouve, évidemment. Donc, le docteur Colelat va reprendre lors d'une conférence qui durera 3 quarts d'heure, je crois, pourquoi utiliser le bracket autoligaturant et pas un bracket actif ou conventionnel et qu'en spécifiant évidemment qu'il ne s'agit pas d'une facilité de ligature, mais bien au-delà d'un système de force qui se développe pour pouvoir faire ce choix. Et pourquoi avoir fait le choix du Genius et pas d'une autre marque, puisqu'il y a évidemment quelques autres marques, dont une extrêmement connue, qui travaille également en passif. Toujours être patient centrique et je crois que ce cas a été présenté, ce cas de classe 3 et pseudo classe 2 d'un côté, avec une tendance béance et un profil disgracieux, et il sera repris en détail pour montrer comment on peut obtenir l'excellence de ce résultat en simplement 15 mois de traitement et 11 rendez-vous, ce qui est vraiment très très peu, puisqu'il faut savoir que même dans les 11 rendez-vous, il peut y avoir aussi un ou deux rendez-vous de simple contrôle où on laisse les fils agir. Nous allons aussi être le sujet, par exemple, du collage indirect sera abordé par le docteur Catherine Lasvernias, qui fait partie de l'équipe qui a conçu, qui a aidé à concevoir le bracket Genius avec Ephraim Medina et Michel Assayag et moi-même et la famille Way. Et donc, Catherine qui présente un CV très intéressant d'enseignement, très présente aussi en orthodontie linguale. Donc, évidemment, qui dit orthodontie linguale dit collage indirect. Donc, je pense que c'est un secteur qu'elle maîtrise parfaitement. Et elle est passée en collage indirect pour tous ses patients parce qu'elle estime, et elle a raison, que cette précision va permettre d'optimiser la qualité. Et elle me disait aussi que son confort à elle était extrêmement optimisé. Donc, nous allons revoir, elle nous présentera quels sont tous les bénéfices du collage indirect, en commençant par le contrôle du collage par le praticien, l'avantage planning que cela présente, et puis donc tout ce qui comprend l'organisation en cabinet, comment le mettre en place. Et évidemment, avec tout le parcours de ce collage indirect qui commence à la première consultation
et qui se poursuit sur un ordinateur et qui se termine par une livraison et évidemment un collage en bouche du patient d'une manière extrêmement fluide et maintenant très 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 bien rodée. Donc IndieBond est une marque orthopartenaire et il n'y a pas de modèle. Et effectivement, qualité et reproductibilité sont les qualités qui le caractérisent. Et donc, ça va être une conférence très intéressante que je suis impatient de, à laquelle je suis impatient d'assister. Ensuite, je vais vous présenter mon ami Philippe Spindel. Philippe Spindel n'est pas orthodontiste, il est chirurgien dentiste. Cela fait plus de 30 ans que je le connais. Son épouse est orthodontiste, elle travaille dans le même cabinet. Donc, il a une très, très bonne connaissance de l'orthodontie, mais ce n'est absolument pas de cela dont il va parler. Il est très américanisé dans sa conception de la facette. Il dirige un cours de formation qui s'appelle iFacette Ceram. Il est sans doute pour moi le meilleur dentiste de Paris en ce qui concerne la réalisation de facettes. Donc, cela va être extrêmement intéressant parce qu'il va nous montrer très rapidement comment on colle des facettes avec un film de quelques minutes. Pour nous, orthodontistes, ça sera une curiosité. Mais surtout après, il va recentrer son débat pour voir comment les facettes s'intègrent à un traitement d'orthodontie, très souvent, évidemment, après, par exemple, dans les cas des dents risiformes ou d'agénésie. Et il nous partagera ce cas qui a été traité. Il me dit que c'est moi qui l'ai traité, donc je le crois sur parole. On avait, pour une raison de volume osseux, laissé les canines qui étaient très étroites en site de latéral, alors que d'habitude, on les distale. Mais là, exceptionnellement, on avait changé. Ensuite, Philippe Spindel avait fait un miracle grâce à sa patte. Il avait placé des facettes pour obtenir ce résultat absolument magnifique. Je vous le repasse dans l'autre sens. Voilà, donc gestion des canines et gestion des incisives centrales aussi pour l'harmonie et gestion des deux incisives latérales manquantes, mais au niveau des canines, donc ce cas sera évidemment détaillé et nous sommes évidemment impatients de le voir parce que c'est magnifique comme d'habitude. Enfin, j'aimerais vous présenter cet éminent docteur qui est quelqu'un d'un orthodontiste extrêmement connu en Tunisie. Yamen va nous présenter sa vision de la gestion du sens vertical au niveau antérieur avec les mini-vis pour sans doute nous montrer comment on peut gérer des supraocclusions sévères, gérer des sourires gingivaux. Donc, c'est toujours très intéressant parce que assez fréquent finalement à traiter et toujours dans le cadre d'un traitement avec le Genius. Donc là, je suis également impatient de pouvoir participer à cette conférence en tant que modérateur, évidemment, pour pouvoir lui poser les bonnes questions et faire vivre sa présentation, la présentation du docteur, donc Labidi. Donc, j'espère vous voir très, très bientôt. Ça nous a beaucoup manqué de ne pas pouvoir se retrouver. L'idée, c'est de s'amuser et d'apprendre en même temps à cette très, très belle période de fin septembre, qui est souvent une période assez creuse au niveau des cabinets. Donc, ça tombe très, très bien après le rush de septembre. Vraiment, je suis impatient de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont restés d'avoir écouté, d'avoir regardé cette petite présentation. Et je vous dis à très bientôt.